Mais ça va pas, non? Vous arrêtez de suite. Qu'est-ce que c'est que cette façon de se comporter? Qu'est-ce que tu as, mon grand? Ils arrêtent pas de m'embêter. Vous pouvez pas le laisser tranquille, non? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Non, madame, on n'a rien fait. C'est lui qui a commencé. Qu'importe qui a commencé. Ça ne change pas grand-chose. Il dit des bêtises sur nous, alors ça lui apprendra. Ben, on ne tape pas quelqu'un parce qu'on n'est pas d'accord avec lui. Mais c'est pas ça, madame. C'est quoi, alors? Il est méchant. Il tape tout le monde, tout le temps. Alors nous, on lui a dit. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Que sa mère, elle aime pas. Je n'ai jamais vu une mère ne pas aimer son enfant. Bien sûr qu'elle t'aime, ta mère. Les mots sont compréhensibles, mais tu restes illisible. La distance nous rapprochait, c'était avant. Après, c'est maintenant. Le temps, désormais, n'est là que pour expliquer ce qui n'a pu l'être à temps. Agir, faire, voir, écouter. Non, je ne peux plus écouter. Je n'y arrive plus. Je dois parler. Oui, parler pour ne plus entendre ce qu'on me dit. Ah, c'est toi? J'ai vu Ronald ce matin et il m'a dit de ne pas s'inquiéter pour dimanche, que tout serait prêt à temps. Bah, honnêtement, j'ai des doutes. Tu vois, c'est le genre de discours que j'ai déjà entendu à chaque fois que t'es là. Oui. Il y a toujours quelque chose qui foire au dernier moment. Pourtant, c'est pas faute de lui répéter. Mais parler à qui maintenant? Il est adorable, ouais, bien sûr. Mais il ne sait pas comment organiser. Je... Mais quand tu ne sais pas faire quelque chose, tu passes la main, tu comprends? Écoute... Tu ferais comme ça, toi, pas vrai? Non. Des mots. Trop de mots à la fois. Où est le sens? Retrouver le fil conducteur. Celui qui me reliait à lui. Eh oui, bien sûr, parce qu'on est réaliste. Une organisation pareille, ça ne peut pas s'improviser. C'est impossible. Non mais là, franchement, je... C'est comme la personne qui va s'en occuper. C'est encore moi qui vais devoir partir en chercher au dernier moment lorsque les invités seront déjà Pourquoi là. Pourquoi? Et que monsieur fera le réceptionniste... Qu'est-ce qui s'est passé? Sauf que si j'étais pas là pour tout régler, tu comprends, ce serait une panique que je te raconte même pas. Up and flow, we did get better. Put on a smile every ride.
Vous paraissez bien joyeuse, mademoiselle. Pourquoi devrais-je cacher mon bonheur? Il est si fort. Je voudrais le crier, le hurler. Oh, et puis non, je voudrais le chanter. Oui, le murmurer. Le murmurer tendrement. Vous descendez à Venise? Oui, rejoindre mon ami. Votre ami? On va se fiancer. Alors vous avez trouvé votre moitié? Oh non, bien plus que ça. Vous n'y êtes pas. Des moitiés, ça peut se séparer. Nous, c'est je et je, c'est nous. Vous comprenez? C'est encore loin? On est bientôt arrivé. Tu vas voir, on a une superbe vue sur la ville. Oh, c'est pas trop tôt. Tu crois toujours tout ce qu'on te dit? Ça dépend qui me le dit. Tu peux te tromper de personne. Comment ça? Mais oui! Croire quelqu'un qui te trompe, et inversement, ne pas croire une personne qui t'aurait pourtant dit la vérité. Je ne crois pas. Hé, c'est présomptueux de dire ça. Non, quand quelqu'un dit la vérité, il y a des signes qui ne trompent pas. Et quels signes, par exemple? Les yeux, ma chère. On voit tout dans le regard des gens, absolument tout. Et si la personne est aveugle? T'en voulais pas? Tu crois que l'éloignement était la meilleure solution? Quelqu'un m'a dit un jour qu'une femme, quelle que soit sa vie, était toujours dans l'attente de quelque chose. J'attendais lorsqu'il était avec moi. Je l'attendais. Il était là. Et c'est à ce moment-là qu'il me manquait le plus. Je le voyais. Mon regard le suivait. Ses gestes remplissaient notre espace, mais son absence à mes côtés me faisait souffrir. On devrait pouvoir tourner les pages plus facilement. Lorsque l'évidence est incompréhensible, reste la falsification. Avant de pouvoir tourner la page, je dois comprendre ce qu'il s'est passé. C'est que vous n'étiez pas fait pour vivre ensemble. Et pourtant, j'ai l'intime conviction du contraire. Ta conviction est subjective, ma chère. Tu trouves que ça me va? Oui, oui. T'as reçu un message? Mmh. Qu'est-ce qu'il te dit? J'ai peur pour lui. Peur? Pour lui? Pour moi? La crainte de poursuivre notre chemin l'un sans l'autre? Il n'a pas écrit la fin. Je reste suspendue dans le temps. Est-il seulement heureux? Quand je l'ai vu la dernière fois, il ne me paraissait pas du tout désemparé ou perdu. Il était plutôt... pas vraiment joyeux. À vrai dire, il est rarement ton mec.
est plutôt du genre taciturne. Non, il était tout simplement normal. Tu veux une autre tasse ? Non, merci. Quand est-ce que tu l'as vu ? À une soirée. Chez Fred et Cécile. Ils avaient fait une soirée vidéo. Oui, mais lui, qu'est-ce qu'il faisait ? Et puis, il était seul ou accompagné ? T'as une vue superbe d'ici. J'espère que tu réalises la chance que tu as. Mais tu réponds pas à ma question. Oui, il y avait quelqu'un avec lui. Mais tu le fais exprès ou quoi ? Il était avec un garçon ou il était avec une fille ? Bah, une fille, je crois. Comment ça, tu crois ? Ça se remarque quand même, tu fais bien la différence entre un garçon et une fille. Mais évidemment, mais je l'ai pas détaillé à ce point. J'étais occupée de mon côté avec d'autres personnes, c'est tout. Et puis c'est ton mec, hein, pas le mien. Si je l'avais trop regardé, t'en aurais été jalouse. C'est pas vrai ? Non, pas forcément. En l'occurrence, j'aurais préféré. Et puis, tu l'as bien observé, puisque tu me dis qu'il avait l'air normal. Ça veut dire que tu me caches quelque chose. Écoute, Caro, tu sais très bien que t'es ma meilleure amie. Mais là, je te comprends plus. Tu m'as bien dit que c'était terminé entre vous deux. Tu me l'as dit pas plus tard qu'hier soir. Alors, qu'est-ce que ça peut te faire qu'il aille avec quelqu'un ou tout seul à une soirée ? Tu vois, il est avec une fille. Et tu voulais pas me le dire. Oui, bien sûr que c'est terminé entre lui et moi. C'est pas le problème. On a même pris la décision ensemble. C'est juste que j'ai peur qu'il soit malheureux. Et pourquoi il serait malheureux ? Parce que c'est ce qu'il me dit. Bah, si ça peut te rassurer, il avait pas l'air malheureux du tout. Je l'ai même vu rire une ou deux fois pendant la soirée. Une vraie prouesse. Hein. Il rit avec cette fille ? Oui, avec cette fille, là. Le salaud. Il m'avait dit qu'il ne pouvait même pas envisager de regarder une autre fille après notre séparation. Qu'il faudrait du temps pour m'oublier. Sans moi, il va se laisser mourir. Il me le dit tout le temps. Pourquoi ? Il a déjà essayé de se tuer ? Non, je crois pas. Mais il pourrait. Ah, au moins, tu aurais la réponse à ta question. Ça serait une vraie preuve d'amour. Quand j'ouvre le dictionnaire et que je regarde le mot « trier », je lis « choisir parmi plusieurs », certains éléments en les séparant du reste. Aujourd'hui, je suis restée enfermée toute la journée en pensant à toi. Tu me manques tellement. Comment ai-je pu penser un seul instant vivre sans toi ? J'ai repris le boulot ce matin. Nos vacances étaient vraiment superbes. Je t'ai enfin vraiment retrouvée. L'éloignement ne pourra plus nous séparer, je le sais maintenant. J'en suis persuadée. Allô ? Salut !
Alors, que devient mon grand frère chéri? Et t'en es où de tes conquêtes? Je sais. Eh bien, qui l'aurait cru? Oui. Je suis vraiment contente pour toi. Et ça, c'est ce que tu penses. Comment peux-tu être aussi convaincue des choses? Ça ne veut pas dire que ce soit exact. De toute façon, tu ne l'as jamais aimé. Non, tu ne m'aides pas. Je crois que c'est sérieux entre eux. Et ça dure depuis combien de temps? 3 mois environ. Début de l'été. Oui, quelque chose comme ça. Ou juste un peu après. À ce moment-là, il m'écrivait des choses tendres, pourtant. Il envisageait même qu'on vive ensemble. Le vrai, le faux. Où se cache la manipulation? Comment faire un tri dans ce qui est dit? Mais le vrai, c'est peut-être moi, et pas l'autre.